J'étais un beau grand être. J'accueillais la vie. Je respirais et je transpirais à travers mes feuilles. Je captais et je stockais le CO2. Ce faisant, je régulais la température, l'humidité. Je suis désormais le numéro 41. Mes jours sont comptés. Et comme tous ceux qui viennent d'être martelés, je serai abattue cet hiver. Il paraît que je ne suis plus utile en forêt. On raconte même que je serai fragilisée, infectée, voire dangereuse. Il faut aussi faire de l'espace pour la régénération. Comme si le peuple des arbres avait attendu l'homme pour se régénérer. Quelle arrogance! Depuis toujours, la forêt se gère et fait alliance avec les êtres vivants qui la peuplent. Longtemps, l'homme faisait partie de cet équilibre. Aujourd'hui, même menacé par l'urgence climatique, même armé d'une montagne de savoirs, de rapports et d'études scientifiques, il est incapable de revoir sa copie. Quoi qu'il arrive, la forêt survivra. Quant à la survie de l'humanité, c'est à vous de jouer.